messieurs, chers parents, chers élèves. À nouveau débute une période de cours à distance pour tous les élèves de la nation. Le Collège de Grazaille a donc travaillé à la préparation de cette période qui commencera le 6 avril. Plusieurs principes ont guidé notre réflexion. L'organisation prévue découle de ces principes. Garder le lien entre les élèves, leurs professeurs et l'établissement. Privilégier les progressions pédagogiques en cours et la performance des enseignements. Permettre aux élèves d'être occupés toute la semaine tout en travaillant sur des plages horaires raisonnables. Ne laisser aucun élève sur le bord de la route pendant cette période. Ainsi, vous trouverez sur Pronote, dès samedi matin 3 avril, un nouvel emploi du temps où seront indiqués les classes virtuelles, les travaux à rendre, les plages vides de travail personnel, préparation, devoirs, les heures de vie de classe, le repos. Tout est fait et pensé afin que chaque élève puisse travailler à un rythme raisonnable, son rythme, chaque jour, avec ses enseignants. Les professeurs principaux sont la pierre angulaire de ce dispositif pédagogique et les interlocuteurs privilégiés pour toute question d'ordre pédagogique par l'intermédiaire de Pronote. Les CPE et assistants d'éducation veilleront à la présence et au travail de chaque élève. L'équipe médico-sociale est pleinement mobilisée afin d'accompagner les élèves et ou les familles qui en auraient besoin. Enfin, les documentalistes ont prévu une distribution de livres précommandés par un système de drive uniquement en voiture et je vous invite à voir le tutoriel vidéo sur le site du collège le mercredi 7 avril. Système de drive qui sera employé le même jour, le 7 avril donc, afin de distribuer des photocopies aux élèves absents cette fin de semaine afin d'éviter de pénaliser les familles qui n'ont pas d'imprimante. Et là aussi, je vous invite à voir le tutoriel vidéo sur le site du collège. Vous le voyez, fort de notre expérience de l'an dernier, les élèves auront la possibilité de poursuivre leurs apprentissages dans un cadre adapté et bienveillant. Cette continuité pédagogique est particulièrement importante car il n'y aura pas de rattrapage au retour en présentiel. De plus, les élèves de 3e non seulement passeront la SSR dès leur retour, mais seront également en examen blanc du DNB les 11 et 12 mai prochains. Il est donc essentiel pour tous de maintenir une activité soutenue et optimale pendant cette période à distance. Nous y veillerons, nous vous accompagnerons. Les équipes administratives et de direction sont pleinement mobilisées et à votre disposition pour toute information sur la boîte mail de communication que vous connaissez désormais très bien, info.grazaille@gmail.com. J'ai la grande fierté de voir toutes les équipes de l'établissement pleinement mobilisées pour la réussite de vos enfants, malgré les circonstances pénibles pour tous. Sachez, par ailleurs, que nous préparons déjà le retour en présentiel. Je vous remercie pour votre investissement. Croyez pleinement au nôtre. Je vous souhaite le meilleur pour cette période difficile, la santé et la réussite. À très bientôt.